Le dynamisme continue pour l'association Fin Sport et Développement. Certes, l'objectif reste ou presque le même. L'autonomisation de la jeune fille, ça passe par toutes ces formations que nous leur accordons. Mais mieux encore, avec un nouvel élan vital au profit de la santé, de la citoyenneté, du civisme. Aujourd'hui, on est là dans le cadre de l'environnement parce qu'on s'est dit, on ne peut pas apprendre à ces jeunes filles qu'à faire le sport. Ils doivent faire donc ce sport dans un environnement sain et cela passe par une formation. Voilà qui justifie la tenue de cette rencontre ce 20 novembre à Lomé, à l'endroit de toutes les couches socio-éducatives et sportives des quatre communes pilotes du projet, notamment Golf 1 et 6 et à Guenivé 1 et 4. Encadreurs sportifs, animateurs socio-éducatifs, conseillers municipaux, jeunes filles leaders, tous ont été entretenus sur la thématique du sport ou une salubrité urbaine et durable. Mes premières impressions, ça promet parce que j'ai en face de moi des participants qui sont dynamiques, qui reçoivent et avec qui j'interagis rapidement. Et donc, je suis confiant qu'ils seront vraiment être la relève auprès de leurs associations respectives ou de leurs clubs. Cette formation vient en appui de sensibiliser les élèves à avoir un environnement sain. On nous a parlé des modes de développement, comment faire évoluer l'environnement, garder un environnement sain dans le cadre du sport et dans la vie aussi. Cette deuxième partie du projet qui est la protection de l'environnement me permettrait de sensibiliser la population sur nos actions quotidiennes que nous faisons et qui ont un impact plutôt sur l'environnement et sur les générations à venir. Cette formation marque officiellement le début du projet Festival de volleyball des quatre communes et formation sur les thématiques de l'environnement. Ce projet se substitue en deux parties. La première partie, c'est de consolider les acquis en technique de volley, en tactique de volley, parce que ces jeunes filles ont déjà bénéficié d'un projet qui les a initiées sur la pratique de volleyball. Et la thématique qui a suivi, c'est le leadership féminin. Aujourd'hui, nous continuons avec le volleyball, puisque nous sommes du volley, et nous ajoutons la thématique de l'environnement. Projet de 3 mois, il prendra fin avec un mini-tournoi intercommunal.